ça va. Alors voilà, donc c'est la cassette. Donc comme à mon habitude, je pars à une machine. Hein. Ça, c'est sûr, je suis habitué. Un bébé. Tu vas sûrement entendre des petits bruits bizarres derrière. Chérie, c'est ta voix. Je t'aime, je t'aime. Un bébé, hein. C'est sûr, je sais pas. Évidemment. Chérie, t'as pris par cœur ta cassette. Exactement le jour qu'on est. Hein. Alors on est le 9 octobre. Septembre 1998. Il est précisément 9h37 et 11 secondes. Ouais, j'arrête. Normalement. Hein. Donc là, ça fait 5 mois et 3 jours, 4 jours, hein, voilà, ensemble. Et c'est passé vite, chérie, je t'ai pas vu beaucoup. Je t'ai vu peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Voilà. Peut-être 3 mois pendant ces 5 mois. Bon, attends, téléphone, il sonne, je vais répondre. Salut mon bébé. Alors là, on est le lendemain. Il est 10h. Et je te continue la cassette. Je me suis réécouté la fin de ce que j'ai fait hier. Et tu sais, sur l'appareil, c'est marrant parce qu'il y a les 83, 84. Ils te mettent le compteur là. Jamais vu. C'est très bien que ça. Si je veux me réécouter juste, je mets juste où il faut, je me réécoute. Bon, ça, très bien. Toi, tu dois connaître. Bon, pour moi, c'est bien. Bon, je fais une pause encore. Je dis qu'elle va pas être affilée, hein, du tout. Vous écoutez. J'aime pas du tout ma voix. Chérie, oh, merde. Mon bébé d'amour. Chérie, envoie-moi des photos. Hein. Parce que moi, j'ai pas des photos avec toi. Je te vois pas bien, bien. C'est vrai, non? T'as vu les photos? Il n'y en a que deux qui sont tout seuls. Et c'est moi qui les ai pris, je les ai pris de loin. J'aurais dû les prendre de plus près. Moi je vais te prendre de près. Pas près, des belles photos de près. Alors j'ai pas beaucoup de photos de toi. Alors si t'as le temps et si t'as envie, je veux bien les prendre. Et. Moi j'aime tout, j'ai toi. Mon bébé, là j'ai parlé la moitié de l'autre face, chérie. Je crois que c'est la cassette que j'ai mis là, les chansons qui m'ont un petit peu avancé. Elles m'ont un petit peu aidé. Pas grave, chérie, c'est un petit peu de la triche. Mais pour la première cassette, on peut bien. Et chérie. Mon bébé d'amour. T'es mon bébé, toi. Chérie, j'ai envie d'arrêter la cassette tout de suite. Mais tu vas pas témoigner. Moi, j'aimerais pas aimer recevoir une cassette vide. Même si, non, j'aurais pas du tout aimé. Alors, je continue. Et... Ah, bébé. Alors, je me suis écouté. Bon, c'est pas bien comme d'habitude. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Ah oui, et surtout, tu l'écoutes une fois à peine, un petit peu endormi. Et après, tu effaces. Tu fais ce que tu veux avec. Tu peux mettre des cassettes, des chansons, faire ce que tu veux. Surtout, tu la réécoutes pas deux fois. Et moi, ta cassette, je voulais même pas que je l'écoute toute seule dès que je la reçois. Tu voulais que je l'écoute ensemble avec toi. Alors moi, bon, tu peux l'écouter tout seul, à moitié endormi, hein. Et après, tu effaces. Fais ce que tu veux. Voilà. Bébé chéri. Oh. Et... Il adore ta cassette. T'as vu? Elle est bien ta voix, non? Il adore ta voix. Toute ta voix n'est pas déformée du tout. Peut-être que pour toi elle est déformée alors. Je sais pas. Moi pour moi la mine elle est déformée. Et toi tu vas me dire que toi tu me connais un petit peu quand même. Tu me connais un petit peu quand même, non? Un petit peu beaucoup, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ah, moi je te connais aussi un petit peu beaucoup. Tu sais quoi, à chaque fois que je voulais préparer ta cassette, j'avais le micro et tout, ça se branchait pas, mais j'avais plein de choses à te dire. Je sais pas, en l'espace de temps, je me suis dit, ah, je veux lui dire ça. Et maintenant, j'ai rien à te dire, c'est grave quand même. C'est très grave. Mon chéri, je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Je t'aime très fort.
Et tu m'as envoyé un truc hier, une lettre. J'ai hâte de la recevoir. Mon amour, j'allais te parler, que tu me réponds. Oh, je vais te téléphoner. Dès que je descends, je te téléphone. Parce que c'est un petit peu chiant, faut descendre pour téléphoner. Hein. Ça me saoule à la fin. Et mon bébé, oui. Mon bébé et mon bébé. Voilà. Chérie de ma vie. On va rester toute la vie ensemble, mon bébé. Oui. Moi, je veux rester toute ma vie ensemble. Vous pouvez un petit peu me réécouter. Parce que je suis en train de bafouiller un petit peu. J'en ai marre, alors j'arrête un petit peu et je recommence. Chérie, t'as lu La Condition humaine de Malraux? Je sais pas si tu l'as lu, mais on devait le lire pour le bal. Parce que t'as lu Candide de Voltaire. Moi j'ai pas lu celui-là, peut-être que tu l'as pas lu alors, Malraux. Et bah, c'est bon, c'est vraiment très chiant de lire. Hein. Je crois que c'est vraiment le livre le plus chiant que j'ai jamais lu. Et vers la fin, il était. Je voulais même plus m'arrêter, quoi. Vraiment vers la fin. Hein. Et tu sais, il dit à un moment donné, c'est très réfléchi, tu vois. Et il dit que quand on s'entend, enfin, c'est très. Je sais plus ce qu'il est venu, un truc comme ça. On s'entend. On s'entend jamais, en fait. Je m'entends jamais ma voix. C'était un mec. Il faisait des cassettes. Il envoyait, genre, parce que c'était pendant la guerre. Alors, il envoyait, genre, des cassettes audio. Et c'était. En fait, c'était des. Il y avait des codes pour. Pour des espions ou je sais pas quoi. Alors c'était lui qui parlait dans la cassette. Alors il s'est écouté une fois et il a dit une phrase très juste. Je vais te la retrouver si tu veux, je vais te la répéter. Et c'est en fait on s'entend jamais hein, avec la voix, parce qu'on s'entend par la gorge et pas par les oreilles. C'est un truc comme ça, dans le genre. Et ouais, c'était super intéressant. En fait, il faut l'étudier pour comprendre vraiment ce livre. C'est comme tout livre, je crois. Si t'as pas des explications, ça lui banal. Chiant et emmerdant. Voilà. Et voilà, bon, moi aussi je fais l'expérience maintenant. Je me réécoute et j'aime pas du tout ma voix. Jamais je me suis entendue comme ça. Je sais pas si c'est. Tu vas me dire si c'est vraiment ma voix. Hein. Toi, tu vas peut-être me reconnaître un petit peu. Mais c'est vraiment moi, hein. Ta chérie. Et. Chérie, là on arrive à 290 dans la cassette, il faut aller à 400, donc j'ai fait à peu près la moitié, plus que la moitié, hein. C'est bien. Donc dans à peu près 10 minutes j'ai fini, faut compter ça, hein. 10 minutes, et je te l'envoie bientôt. Je te dis que je t'aime, et oui, bien. Moi je finis pas ma cassette, là ça se finit et ça se coupe. Moi je dis je t'aime, bah j'ai fini ma cassette. D'accord bébé? Salut bébé. Alors, comme j'avais un travail commercial qui me fatiguait, bah, j'ai réussi.
grâce au médecin du travail, parce que ça peut être passé. Oui. Écoute, j'ai eu beaucoup d'émotions en ayant parlé ce matin. Ah oui, ça m'a fait quelque chose. Moi, je n'avais pas ton numéro de téléphone. Mais tu sais, j'ai bien pensé à toi, je ne t'ai pas oublié. Oui. On ne peut pas oublier. Hein. Ouais. Mais bon, le temps a passé, tout ça. Et puis. Tu vois. Ouais. Mais je ne t'ai pas oublié. Et toi, comment tu vis? Ben, je vis tout seul. Tu vis tout seul, oui. Ouais. Tu vas vous dire une chasse là-bas. Oh. Mais moi je t'appellerai. Dis-moi alors à peu près où je suis. Oh ben. Tu pars de bonheur, on m'appelle. Non, je vais manger vers 11h. Oui. Et je m'en vais à cette heure midi, quoi. Oui, d'accord. Et ben, si tu veux, entre 11h et 1h, je suis pas là. D'accord. Le reste du temps, ben, ça dépend. Si tu as tout à faire, si tu appelles que je ne sois pas là, tu rappelles 1h ou 2h après. Oui. Et le soir. Ouais, le soir, ça marche. Mais j'aimerais bien te voir, moi. T'es toujours aussi mince, aussi jolie. T'as toujours tes jolis yeux bleus. Bah, j'ai pareil, mais tu sais, je suis blanche. Blanche. Les cheveux? Les cheveux blancs. Ah, bah, tu sais, moi, il m'en reste plus l'air. T'en restes plus? Oui. Bah, oui, moi, je suis toujours mince, j'ai même tendance à me maigrir. Ouais. Je suis tellement fatiguée maintenant. Alors, c'est pas grave, hein. Ouais. Mais je t'appellerai. Non, mais si tu peux dire ça. Je sais bien, mais tu sais, ça me mal vécu. Et moi, ça risque de m'angoisser tout ça. Oui. Plus qu'autre chose. Alors, laisse-moi faire le temps. Oui. Je te téléphonerai de temps en temps, je te promets. Hein. Bah, si tu m'écris, mets-moi une photo de toi. Oui, d'accord. Hein? Non, je réfléchissais à ça tout à l'heure. Oui. J'ai même pas une photo de toi. Oui, bah, parce que une fois, tu avais tout déchiré. Ah, hein, oui. Les lettres. C'est impossible. Je t'ai bien fait souffrir. Hein. Ouais, non, mais moi aussi, parce que finalement, tu sais, quand on est comme ça tout seul, on a pas à réfléchir. Ouais. Mais moi, j'étais plus âgé que toi, mais non. Moi, j'étais resté en pension jusqu'à 20 ans. Alors, j'étais con, j'y connaissais rien. Oui, mais bien sûr. Alors, je t'ai fait souffrir aussi. Ta faute, ni de la mienne. Ben, c'est-à-dire que. Si j'avais été élevé autrement, j'aurais fait les choses différemment. Non, mais si moi j'avais été, plus expérimenté, oui. C'est pour dire que tu n'es pas attentive à 100%. On partage la poire, on coupe la poire. Tu es sûr que ça fait quel âge, toi? Eh bien, 15 de plus que